Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et tout à l'heure, on va recevoir Hélène Ségara. Hélène Ségara qui viendra nous parler d'incroyables talents. Nouvelle saison. Ce soir, l'épisode 2. Ce soir, l'épisode 2. Ça a cartonné la semaine dernière. Des numéros incroyables. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Et puis, on aura également Richard Orlinski à 10h30, sculpteur, artiste. C'est un type qui est bourré de talents et il revient lui aussi pour une nouvelle saison de Sur les murs sur TV5 Monde. Ce sera à partir de 10h30. Et on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors juste d'abord, hier on a fait un très très gros coup avec notre Thomas entre guillemets, donc candidat recalé de la Starac. Effectivement, on a levé un lièvre, comme on dit. Et ça, pour l'avoir eu après, ça lui a fait vraiment vraiment du bien. Et pour tous ceux dont j'ai lu que c'était une fake news sur Twitter, il y a beaucoup de gens en disant il veut devenir célèbre, c'est une fake news. Pas du tout, on a vraiment vérifié des infos, on a discuté avec les gens de TF1 et les gens d'Endemol, et donc on vérifie toujours nos informations. Et visiblement hier, donc les trois arguments qu'on lui avait donnés, c'était qu'il y avait une émission, c'était la perte de revenus financiers du rugby, le conflit israélo-palestinien, bon, on ne voit pas bien l'engagement peut-être de plus de journalistes, et une émission qui coûte très cher. Vous avez dit Secret Story, visiblement c'est la nouvelle émission de Bruce Toussaint qui est en train de se monter et pour laquelle il y a un très très gros recrutement, un gros budget. Donc voilà mais en tout cas et la news, et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour aider Thomas. Absolument. Allez, donc le zapping, vous commencez par quoi? Hier en direct, je pense que vous avez regardé, non, vous n'étiez pas branché sur l'équipe TV, vous me décevez. C'était quoi sur l'équipe TV? La grande cérémonie du Ballon d'Or. Et bravo madame. Voilà. Sans grande surprise, c'est l'Argentin Lionel Messi qui, pour la 8e fois à 36 ans, a reçu ce prix. Il est monté sur scène, il était accompagné par ses enfants, ses petits lingots. Et il a évidemment répondu à la question que tout le monde se pose. Va-t-il arrêter sa carrière maintenant? Eh bien, j'ai envie de répondre très longtemps. Je ne sais pas, il va falloir voir comment je me ressens physiquement. Et je ne peux pas vous donner de date. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Les choses changent du jour au lendemain. Mais j'espère que ça va encore durer très longtemps. Parce que c'est ce que j'aime faire. Et j'espère pouvoir continuer. Hier, Gérard Lanvin était l'invité de Cyril Hanouna sur C8. Et comme c'est son habitude, il n'a pas sa langue dans sa poche, il a critiqué les réseaux sociaux. C'était un moment délicieux. Ça sert à faire briller les minables, mais si tu veux, faut bien qu'ils brillent, ces gens-là aussi, à leur manière. J'avais lu une phrase pas mal, c'était « À l'époque où les téléphones étaient attachés, on était plus libre ». Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on fait avec tout ça. Je suis pas dans un monde qui correspond à ça dans ma tête, moi. Moi, je vis à la campagne, j'observe des poules, et je peux te dire que depuis que j'observe les poules, je me dis, putain, mais avec les coqs même et tout, je me dis, mais putain, c'est une espèce de société, mais hyper intelligente, quoi, hyper respectable. Elles ont les raisons. C'est emmerdant de se prendre plus con qu'une poule. Vous l'aimez bien, Gérard. Oui, beaucoup. Dans C'est à vous, David Lisnard, le maire de Cannes s'est réjoui, j'imagine que vous allez en parler dans vos débats, du projet de loi interdisant l'écriture inclusive. Anne-Elisabeth Lemoine a voulu jouer la plus maline. C'est encore raté. Je pense que cette écriture est inesthétique, n'apporte rien, et qu'elle détourne même le combat féministe nécessaire de ses vrais objectifs. Mais il faudra changer les cartes d'identité, parce qu'il est écrit « né » entre parenthèses, « né » et entre parenthèses « e ». Non, mais ce n'est pas l'écriture inclusive, entre parenthèses. Ah non. Non. Il renvoie à une qualification d'état civil qui est le sexe. Donc c'est entre parenthèses, mais ce n'est pas le point « e ». Ce n'est pas l'écriture inclusive. Non, c'est pas de l'écriture inclusive. La parenthèse, mais bon. Il y a un auditeur qui me demande pourquoi il a été évincé, Thomas. Il a été évincé parce qu'il fallait choisir trois candidats et qu'après, il y a des équilibres à respecter entre hommes, femmes, etc. Et c'est pas lié au talent parce que visiblement, il en avait beaucoup. Oui, je peux même vous révéler qu'il devait chanter, car on l'a eu hier, il avait une voix grave, il devait chanter Marie-Lou de Michel Polnareff qui monte vraiment dans les aigus. Donc il n'y avait pas de raison de talent. Il avait une chanson solo
boulot. Oui. Je pense que tous ceux qui rentrent ont du talent. Restons dans cet avou avec Pierre Lescure qui saluait la sortie cette semaine d'un album de Cabu. Cabu Vive le sport, qui est un énorme album collector. Un ouvrage jouissif, et sa veuve Véronique Cabu a expliqué le talent que le dessinateur avait pour dessiner le mouvement des personnages qu'il faut quand on dessine le sport. Même si vous êtes prix Nobel des œuvres de Cabu, notre ami dessinateur pour l'éternité, vous allez découvrir des tas de choses extraordinaires dans les 430 dessins réunis dans un volume intitulé « Cabu, vive le sport » qui vient de sortir. C'est quasiment une œuvre d'art. On avait donc envie de poser la question à Véronique Cabu, le rapport au sport du Grand Duduche. Son rapport au sport était distant, mais c'est quelqu'un qui sait dessiner les corps en mouvement comme personne. Et c'est joyeux pour un dessinateur qui passe toute sa journée de 9h du matin à minuit du soir à dessiner, à chercher des idées et aussi avoir son regard de journaliste. Donc avoir un angle et jamais deux fois le même dessin. Il souffrirait en voyant toutes ces guerres, lui qui était... Oui, mais il s'amuserait aussi beaucoup. Enfin, ouais. Il s'amuserait, oui. Il y aurait de la matière pour tous nos dessinateurs qui ont été assassinés le 7 janvier 2015. Et puis dans tous les médias, vous allez en avoir jusque-là, mais jusque-là d'Halloween. Ouais. Les citrouilles, ouais. Les bonbons dans les JT sont sortis. Bon alors, je voulais vous symboliser, j'avais soit Thriller, Michael Jackson, j'avais, si je voulais vous épouvanter, Voilà, de Barbara Pravi. Ah, oui, non. Voilà, vous auriez eu très peur. Et puis bah, finalement, j'ai choisi un truc un peu festif, la salsa du démon. Ça met en forme. Vous avez des bonbons prévus chez vous? Plein. J'ai des faux yeux en gélatine, des fours. Je vais les frapper. Allez, on se retrouve dans un instant avec Hélène Ségara. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hélène Ségara. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. C'est toujours un plaisir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venue nous voir. Oui, c'est ce que je vous ai dit en arrivant. Oui. Donc là, on va parler évidemment de cette 18e saison d'Incroyable Talent. Ça a démarré la semaine dernière en fanfare, évidemment. Vous avez été étonnée par cet imitateur qui était incroyable. Ce jeune homme, oui. Ben, on n'en a pas beaucoup des imitateurs dans l'émission, et puis ça peut être très raté. Très ringard. Oui. Voilà, et lui, pas du tout. Il amène vraiment une touche de nouveauté, et puis il est vraiment talentueux. Et puis ce qui a marqué les internautes, c'était aussi cette chanteuse qui se dit être une fée. D'ailleurs, moi, j'en suis une aussi. Il y a des sacrés numéros, quand même, comme toujours. C'est une saison très riche. Nous, on a eu la chance d'avoir quelques épisodes en preview. C'est assez remarquable. Et puis la semaine dernière, il y avait la programmatrice qui était là et qui racontait justement la sélection des numéros, des castings. Et puis Hélène, vous chantez, c'est votre métier, vous êtes retournée sur scène. Il y a un album, les 25 ans de carrière, avec un nouvel album avec des duos, des inédits. On va peut-être parler de ça avant de parler Si vous voulez. Ouais. Donc des duos originaux. Pas forcément. Alors, il y a des inédits, mais il y a aussi les grands succès que je vais revisiter en duo. Pour moi, c'était une manière de fêter les 25 ans, qui sont des 25 ans et demi, on va dire, mais comme j'ai été retardée dans mes projets pour des causes personnelles, j'ai remis, mais je me suis dit, il fallait vraiment que je les fête, ces 25 ans. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous allez? On sait que vous avez problème aux yeux. Ça va, merci. Dans votre vie quotidienne, c'est Vous savez, moi, compliqué. je trouve un petit peu impudique de se plaindre aujourd'hui avec tout ce qu'on entend et tout ce qui arrive. Oui, non, mais vous pouvez pas la souffrance. C'est pas parce que d'autres souffrent qu'on souffre pas soi-même. Oui, mais il faut relativiser. Je crois qu'on n'est vraiment pas les plus. Chacun ses combats, j'en ai, mais je trouve qu'on n'est pas les plus à plaindre. Mais ça peut aussi aider des gens, quand des gens racontent qu'ils ont eu un cancer, montrer qu'ils ne sont pas seuls, et que les stars comme vous Je reçois énormément de messages de gens qui se retrouvent face à des problèmes de vision et qui ne savent pas quoi faire, qui sont désemparés. C'est vrai que j'essaie de prendre le temps de répondre, et sinon, je les oriente sur l'association pour laquelle j'ai levé des fonds cette année, qui est l'association Inflameuil, qui est dans les hôpitaux et qui conseille tous les gens qui tout à coup souffrent de maladies des yeux inconnues, inflammatoires, etc. Est-ce que quand vous êtes seul chez vous,
Vous vous êtes imaginé être aveugle? Est-ce que des fois vous vous dites qu'est-ce qui m'arriverait si je perdais la vue? Ça vous est arrivé d'avoir cette pensée-là, de se dire comment je continue mon métier, comment je bouge dans mon appartement? Alors, je suis quelqu'un qui essaie toujours de positiver, mais de toute façon je l'ai quasiment vécu. Il y a eu des moments où je voyais quasiment plus rien, donc je ne me suis pas imaginée, je l'ai vécu. Je vous ai posé la question des lumières, parce qu'on a beaucoup de lumière dans les studios, sur scène aussi, vous êtes obligée de vous adapter ou finalement... Bah, disons que je n'ai pas la même fluidité que beaucoup d'artistes que je connais, qui vont d'un côté, de l'autre, qui courent, etc. Moi je ne vois pas la 3D, donc je vois pas les reliefs, je vois pas s'il y a une marche, je vois pas si c'est plat, si ça l'est pas. Donc je marche, je me déplace avec prudence. Et pour la petite anecdote, je vais vous raconter un truc rigolo avant de passer à autre chose. J'avais fait un concert en Belgique et j'étais totalement aveuglée par la lumière, et quand je suis sortie de scène, les rues étaient pavées, donc je voyais absolument pas où je marchais et c'était très très instable, etc. Donc il y avait des gendarmes qui étaient là et j'ai demandé aux gendarmes de m'escorter et de me tenir parce que j'avais peur de tomber, et donc j'avais un gendarme à chaque bras, et le lendemain j'ai vu que j'étais bourrée. Donc ils ont marqué Hélène Ségara bourrée, encadrée par deux gendarmes. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je vois pas une goutte d'alcool en plus. Donc je préfère en rire, mais vous voyez un peu la. Mais c'est arrivé à des gens qui étaient en situation de handicap et dont on s'est moqué. Alors, un concert symphonique à venir à la salle Pleyel le 21 décembre. Et puis, je pense que vous préparez d'autres surprises également. Oui, symphonique, c'est quoi? C'était important pour vous? Vous l'aviez. C'est un orchestre, en fait, avec un petit. C'était vilain. Méchant. Il y a la méchanceté dans le corps. Non, non, mais c'est. J'avais envie. Ça fait longtemps que j'en avais envie. Je pense que j'ai des mélodies avec des cordes qui s'y prêtent. Et que ça va être somptueux, tout simplement. Ça va être un moment assez. Et puis surtout, vous avez votre base de fans qui est incroyable. Encore une fois, quand vous venez dans un studio, on a des lettres de fans, des SMS, à quelle heure. Ils sont très présents. Et ils ne vous ont jamais lâché. Alors, jamais. Ouais. Mais vraiment, je pense leur donner beaucoup, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils m'apportent aussi. Incroyable talent. Donc, 18e saison, c'est une aventure qui vous excite toujours autant. Vous n'allez pas me répondre non. Je ne vais pas répondre non. On voit que vous êtes fascinée, en tout cas, à chaque fois. En fait, ça maintient ce côté enfant en moi. Moi, je suis pour l'émerveillement. Honnêtement, je pense que les gens ne s'émerveillent plus assez. Alors, je ne les critique pas. Je pense qu'on est en train de tuer nos rêves petit à petit. Mais il est quand même important d'arriver à voir les points positifs autour de nous, de voir. Aujourd'hui, j'aurai la chance de voir la nature, de voir. Et quand on passe par des épreuves, on essaie de rester comme ça. Et c'est aussi une nature. Mais je crois que, du coup, cette émission nourrit totalement cet esprit enfantin chez moi. C'est-à-dire, je peux me laisser vivre dans mes émotions, qu'elles soient des émotions de drôlerie, que ce soit des émotions de mélancolie, d'admiration, de peur parfois, pour certains numéros. J'imagine que vous ne savez pas à l'avance quels sont les numéros qui sont programmés dans les émotions. Moi, je sais jamais. Alors, comment vous faites pour jouer un Golden Buzzer, puisque peut-être il va avoir un numéro 10 fois mieux? Risque. En fait, c'est pour ça que souvent on attend. Et c'est le risque. Moi, je sais que cette année, vous savez que c'est pas monté dans l'ordre. Mais cette année, c'est Eric et Marianne qui ont Golden Buzzé les plus vite. Et moi, j'attendais quelque chose de spécial. Et c'est drôle parce que l'année dernière, mon Golden Buzzer, c'était Ryan, avec qui j'ai gardé un lien très très fort, avec qui je parle beaucoup. Et donc, je l'ai invité sur l'émission. Et je lui ai dit, tu sais, ça va pas être facile pour moi d'avoir un Golden Buzzer qui m'émeuve autant. Et quelques jours après, mais il y avait déjà plusieurs jours de tournage, mon Golden Buzzer est apparu et j'ai su immédiatement que c'était pour moi. Que ce serait lui. Ouais, et j'ai appelé Ryan, je lui ai dit, regarde, j'ai Golden Buzzer, ça. Et pour nos éditeurs, on est d'accord que les petits sujets que nous, on voit, on les voit pas. Du coup, ce qu'ils racontent, leur vie, leur passé, ça vous influence. Vous ne voyez que les numéros. En fait, il y avait des artistes qui avait tendance à le faire sur scène, c'est-à-dire les premières années, il y avait des artistes qui viennent, je viens chanter pour ma mémé, pour mon chat, etc. et qui essayaient de nous émouvoir, et on s'est très vite pris en otage. Et en fait... vous ne préférez pas savoir. Oui, et par exemple, pour Ryan, l'exemple de Ryan, pour moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire que Ryan, les gens n'imaginent pas ce qu'il a traversé. C'est un garçon qui s'est retrouvé dans un foyer avec des raisons personnelles pas drôles du tout. Et le garçon ne nous raconte rien de ça. Il dit juste qu'il y a un an... Je
j'ai découvert le piano dans un moment de ma vie et que bon bah il allait dans une gare tous les jours pour s'entraîner et qu'il a appris sur YouTube. Mais en fait, il faut savoir pourquoi il s'est tourné vers la musique classique. Et en fait, ça on l'a su qu'après. Vous l'avez su qu'après. Ouais. C'est ça qui est assez formidable, c'est que c'est vraiment l'artiste que vous jugez sur sa prestation, sur ce qu'il produit devant vous. C'est difficile. Là, par exemple, cette année, on a une petite jeune fille qui est arrivée avec une canne, etc. Son papa lui a fait la surprise. Il était dans le public, il s'est levé, etc. Elle savait pas qu'elle allait venir sur scène. Ah oui. Voilà. Et cette jeune fille, enfin cette adolescente de 13 ans, elle a vécu des opérations terribles. Et c'est un miracle qu'elle ait encore de la motricité. Et puis son papa l'a fait monter sur scène pour qu'elle vienne chanter. Et c'est sûr que comme elle est pas du tout préparée, qu'elle a un trac de dingue, elle va pas être à la hauteur de certains candidats. Mais moi, cette fille-là, j'ai quand même envie de l'encourager. D'abord parce qu'elle a pas eu de répétition, qu'elle a pas eu de préparation psychologique, et que j'entends quand même dans son timbre de voix qu'elle a un beau potentiel. Mm. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'encourage cette jeune fille? On va dire que c'est parce qu'il y a une story ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est un peu toute la difficulté. Il faut essayer d'être juste. De pas, moi j'essaie toujours de ne pas blesser les gens, mais par contre j'essaie d'être honnête et surtout honnête avec moi-même. Et cette année, j'ai beaucoup plus buzzé que d'habitude. Mais peut-être que les numéros étaient mieux aussi. Alors non, je veux dire par là, j'ai dit beaucoup plus de noms que d'habitude. C'était Madame souvent, on lui reprochait d'être toujours mielleuse et de toujours dire oui. Mais bon, vous savez, la gentillesse, c'est pas une tare dans ce monde. Gens en faisaient usage, je pense qu'on n'en serait pas là où on est. On peut dire les choses, on peut ne pas aimer quelque chose, mais on le dit avec beaucoup de gentillesse. Et alors votre grande copine, c'est Marianne James. Oui. Et Marianne James, elle vous avait chanté et dédicacé une chanson, écoutez. Ah bon ? La belle Sagara a des yeux de velours. La belle Sagara vous invite à l'amour. Elle a joué Esmeralda plus d'un millier de fois sur les scènes de France, courtisée par tous ses chanteurs, car où Fiori la voit, amoureux tous en transe. C'était trop mignon, vraiment. Elle a une voix magnifique. Mais Marianne, elle peut faire ce qu'elle veut avec incroyable. Sa voix. C'est une cantatrice, mais c'est une cantatrice qui à la fois peut avoir son humour, son charme, etc., sa folie, parce que je pense que c'est nécessaire. Et Marianne, ne vous trompez pas sur cette personne. Marianne, c'est une personne qui est hyper cash, qui parfois met pas les formes dans ce qu'elle dit, mais qui a un cœur d'or. Enfin, je veux dire, Marianne, dans la seconde où mon fils arrive sur l'émission, même si elle l'a jamais vu, elle regarde ses yeux, elle dit « Je connais tes yeux ». Et elle est d'une tendresse. Et moi, c'est ce qui m'intéresse chez les gens. C'est pas les points négatifs ou tout ce qu'on va essayer de raconter. Je m'en fous. Ouais. Souvent, j'ai rencontré des gens dans ma vie, on me dit « Oh, tu vas voir, il est pas machin ». Et en fait, il se trouve que parfois, quand on part sans préjugés... Et qu'on est bienveillant soi-même. On peut avoir... Il peut se passer autre chose. On peut peut-être faire tomber l'armure par moment. Avant de finir, j'ai un autre extrait pour vous. Et j'aimerais vous interroger là-dessus. Vous avez chanté sur France 2 dans le Grand Échiquier. Vous avez chanté en effet Deliaman. Deliaman, oui. Écoutez. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier l'Arménie ? Vous savez, je disais ça à ma mère avant-hier. Je disais que un conflit en remplace un autre et en étouffe un autre et en étouffe un autre. Évidemment, l'Arménie, c'est un tout petit pays. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Dernièrement, j'ai fait un post sur mon Instagram où j'ai dit clairement les choses. J'ai dit qu'il fallait arrêter de demander aux artistes de prendre des positions politique. Je précise politique. Il faut arrêter de prendre les gens en otage, de croire que nous sommes des experts politiques et que nous pouvons parler de conflits dont nous ne connaissons pas tout. Moi, la seule chose qui me blesse aujourd'hui, c'est de me rendre compte que dans tous les camps, les gens souffrent. Et qu'on bafoue avec violence notre humanité. Quels que soient les camps, pour moi, les gens sont des humains. C'est-à-dire que je me souviens un jour avoir été en Turquie et on me disait surtout ne dis pas que tu as des origines arméniennes. Et je nageais
Et quelqu'un vient me parler et il me dit, ah, il me parle en turc. Et je lui dis, je suis désolée, je ne parle pas turc. Et il me dit, ah, j'ai pensé que vous étiez turc. Et je lui dis, non, mais j'ai des origines arméniennes. Alors là, mes amis me regardent comme si c'était un tabou énorme. Et la personne me regarde et me dit, ah, ben moi, je suis moitié turque, moitié arménienne. Pour moi, c'était un résumé de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, la situation, tout ce qu'on entend, ça fait très mal. Moi, dans mon poste, je dis, la seule chose que je peux faire, moi, je chante en 10 langues, je voyage dans tous les pays. J'ai chanté en hébreu, en arabe, en russe, en ukrainien. Vraiment, j'ai chanté dans tous ces pays-là. Et les gens que j'ai rencontrés étaient des gens formidables dans tous ces pays. Je pense qu'il y a des imbéciles et des monstres dans tous les pays, dans toutes les origines. Mais il y a aussi des humains. Et c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. Moi, ces humains sont impuissants. Nous sommes impuissants, bien sûr. Je veux dire, quand moi, quelqu'un me dit, prends la parole, exprime-toi, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, ce que je veux, moi, je dis une chose, et c'est la vérité, je ne peux que prier, je ne peux que dire aux gens, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas qui sont vos frères, peu importe le pays dans lequel... D'abord, est-ce qu'on choisit le pays où on est? Est-ce qu'on choisit... On choisit rien. On choisit rien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chercher tous les moyens et les excuses possibles inimaginables pour nous diviser. Et je pense que nos divisions profite à certains, mais pas à nous-mêmes. Eh ben, je t'aime, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est parce qu'on est. Je vous aime, adieu. Non, mais comme le sujet était fort, je te comprends. Ouais, c'est ça, j'étais un peu troublée. Ok. C'est toi qui l'as cherché, hein. Bah oui, mais c'était magnifique, hein, la chanson. Merci beaucoup Hélène Segarra, on vous retrouve ce soir à côté de vos acolytes sur M6, Incroyable Talent saison 18 et le spectacle est vous toujours là. Valérie, oui, bah oui, avec joie, moi j'embrasse numéro, vous me buzzerez. Vous venez, je vais vous buzzer direct Valérie et j'embrasse tous vos auditeurs. Gros bisous et à mes poussins aussi. Et ben on vous aime Hélène Segarra, merci à vous et tout de suite le supplément média. Le 10h midi Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, le supplément média. Le supplément média, on était en train de papoter avec Richard Orlinski. Bonjour, vous êtes sculpteur, vous êtes DJ, vous êtes un artiste complet. On est ravis de vous recevoir ce matin. Je suis plasticien, ouais, ou artiste pluridisciplinaire. Voilà, j'ai dit artiste complet. Surtout humoriste, hein, c'est surtout ça. Humoriste. Ben oui, vous êtes monté sur scène. J'étais hier sur scène encore, j'étais à la Comédie de Paris hier soir et c'était sympa, c'était resté plein et je suis content parce que c'était pendant des périodes compliquées comme ça, de voir qu'il y a du monde qui vient de rigoler, c'est sympa. Alors on vous connaît évidemment, si on dit Orlinski, on pense à vos sculptures, au gorille, au Kong, oui c'est le Kong. Ah oui. Et c'est un peu ça non, qui vous identifie aujourd'hui, quand on dit Orlinski, on pense à vos sculptures d'abord. On pense à moi parce que je suis très beau. Oui, bien sûr. Mais non, c'est oui aux sculptures absolument. Oui, au Kong, ouais, c'est vrai, c'est le symbole un peu. La sculpture les emblématique. Panthères, moi j'aime bien les panthères. Ouais. Bah, le Kong, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça représente, c'est plus proche de nous, de l'être humain. Donc quelque part, je pense que les gens s'identifient plus à ça. C'est pour ça que. Et alors Stéphane, notre auditeur fidèle, dit c'est le monsieur qui avait fait l'émission sur les œuvres dans le monde et c'est pour ça qu'il est là, le monsieur Richard Orlinski. Monsieur, on va parler avec vous de cette série documentaire que vous incarnez, qui est diffusée sur TV5 Monde, qui est formidable. Moi, toujours un plaisir fou à vous découvrir, parcourir les villes à la recherche des street artistes. Et là, on en est à la troisième saison. Ouais, troisième saison. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison? Eh bien, vous êtes à Paris. Je suis à Paris. Pas ouais. Paris, c'est important. Paris, c'est une ville très importante avec plein de street art. On est à Paris, mais on traverse le monde. En fait, moi, j'apprends comme un enfant et en fait, au fil des émissions, enfin au fil des séries, des années et des nombres de tournages. On rentre plus encore dans l'univers. On partage vraiment quelque chose de très fort parce que je rentre vraiment je suis comme un apprenti qui va à la rencontre d'un artiste et je rentre dans son cerveau, je rentre dans son univers, je partage des choses avec lui. J'apprends plein de trucs en fait. C'est un truc génial parce que l'idée de cette émission, c'était post-Covid d'aller donner un coup de projecteur à des artistes émergents qui ont été privés d'expression puisque le street c'est sur dans la rue et on pouvait pas sortir avec le confinement. Et du coup, là, je me retrouve aussi moi à apprendre plein de trucs. Donc, je trouve ça un peu génial et je pense que le spectateur se retrouve aussi dans ça parce qu'on apprend, c'est super instructif, c'est ludique et
on va pas se mentir, moi quand j'ai accepté de faire cette émission, une émission d'art, c'est un peu boring, oui. c'est un peu oui. chiant quoi. Oui. Et là vraiment on s'amuse, on rigole, c'est très vivant et vous l'incarnez, franchement vous l'incarnez très bien parce qu'à la fois vous connaissez évidemment ce monde de l'art, donc vous posez les bonnes questions et en même temps il y a une forme de curiosité qui fait qu'on s'identifie totalement à vous parce qu'on sent que vous êtes passionné et que ça vous plaît quoi. Ouais, puis même les artistes qui au début sont un petit peu, ils ont jamais fait de télé, donc ils sont un peu comme même troublé, etc. Mais il rentre dans le truc et il se livre vraiment, quoi. Il n'y a pas de sujet tabou, c'est vraiment une vraie liberté, même si parfois c'est un peu... Il parle de tout et vraiment de tout, sans aucune encombre. Alors évidemment, comme il s'exprime dans la rue de différentes manières, c'est pas ça qui leur rapporte de l'argent. Est-ce que les gens qui font du street art arrivent à avoir de l'argent ou c'est souvent des gangs misère et que c'est des artistes avec un grand A pour caricaturer? Écoutez, j'ai envie de dire qu'il y a les deux cas existent. Il y a de plus en plus aujourd'hui de commandes qui sont faites par les villes pour des murales, pour des fresques murales. Ouais. Donc il y en a qui arrivent à s'en sortir quand ils arrivent à sortir du lot. Et puis c'est comme dans tout, hein. C'est l'offre et la demande et c'est la compétition. Donc, mais effectivement, il y en a pour qui c'est pas facile. Mais quand même, aujourd'hui, il y a une volonté quand même, pas qu'en France, hein, parce que moi, je fais des villes. Alors je vois des street artistes francophones, pour être clair. Donc c'est le but de l'émission. De TV5. De TV5, oui, évidemment. Et donc du coup, il y a quand même beaucoup de pays, de gouvernements, de villes qui œuvrent pour effectivement une promotion de cet art de rue, et donc c'est vraiment comme c'est très trendy, hein, donc il y a quand même beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de moyens qui sont donnés aux artistes. Mais je poursuis la question de Gilles, c'est-à-dire ces artistes, quand on voit qu'ils peignent sur des murs, ça ne leur rapporte rien, il y a un prolongement derrière. Justement, il y a des commandes de ville, parce qu'aujourd'hui on paye pour des murs. Non, justement. Mais ceux qui font, par exemple, à Paris, il y a beaucoup de Tetris, vous savez. C'est les Space Invaders. Ça lui a servi de publicité. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que tous ces artistes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas de commande murale, ça leur sert de pub. Oui, puis il deal avec des galeries après. Et après, en fait, ce qui se passe, là j'étais tourné, j'étais à Lausanne la semaine dernière, et donc j'ai été voir un artiste qui, lui, effectivement, est un artiste de rue, et ensuite il adapte son travail sur des toiles. Et donc les toiles sont exposées en galerie, et les toiles sont vendues en galerie. Et là, il commence à être exposé dans 2-3 galeries, c'est petit à petit, quoi, c'est doucement. Il est très riche, le monsieur de Space Invaders. Ah là là, mais ça vaut 80 000 euros pour un tout petit. C'est très cher, c'est un des artistes contemporains. Vous savez ce que je veux pour Noël? C'est Invaders. Vous aimez ça? Ah, je trouve ça bien. Ah, vous aimez pas, vous, Space Invaders? Non, t'as même des gens qui les décrochent, qui cassent et décrochent des murs. Ah, pour le revendre? Ouais. Ah, après, il y a des faux aussi qui sont mis. Enfin, il y a plein de trucs. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas fan, mais bon, après, il y a tout. C'est la culture, c'est la pop culture, c'est le jeu vidéo, en fait. Mais dans cette nouvelle saison, vous allez rencontrer le Diamantaire, vous allez rencontrer Vortex, Jody Bonin. Alors, qu'est-ce qu'ils font, tous ceux-là? Et comment vous les choisissez? Alors, en fait, on essaie de, effectivement, pour que l'émission soit intéressante, la série soit intéressante, il faut avoir de la diversité. Typiquement, Diamantaire, lui, il taille des miroirs en forme de diamant, il les appose dans les rues et quand il fait ses installations qui sont vraiment sympas. Après, avec Jody Bona, il découpe des affiches, il réécrit des noms. En fait, c'est que des trucs nouveaux, mais c'est vachement intéressant. Vraiment, on découvre des trucs, c'est vrai. Donc, il y a vraiment une vraie diversité. Même moi, en tant qu'artiste, je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de diversité dans le street art. Je me dis, bon, pour moi, street art, tu prends une bombe, tu peins trois lettres en bubble ou je sais pas, en calligraphie, ou tu fais une bande dessinée. Mais non, pas du tout, en fait. Il y a vraiment une diversité, et ça, je trouve ça génial, et c'est ça qui est intéressant. Jody Bona est impliqué dans la cérémonie d'ouverture Il fait une grande fresque, je crois que c'est à Saint-Denis, on l'a vu d'ailleurs, un truc énorme et tout. Oui, mais ils sont de plus en plus sollicités, et lui, il est top, hein, l'artiste est vraiment génial, super émission. Je crois qu'elle a déjà été diffusée, mais c'est vraiment à revoir. On peut le voir sur TV5 Plus. Et d'ailleurs, là, maintenant, ce qui est intéressant, cette émission, c'est important de le préciser. C'est le replay qui fonctionne. Ouais. Replay, et puis c'est visible maintenant sur Prime Video, sur Apple TV et sur Orange. D'accord. C'est depuis 15 jours. Voilà. Ah bon, très bonne information. Alors, il y a une auditrice qui nous dit en ce moment, des papillons peints sur Roubaix, la chenille devient papillon. Vous êtes au courant de ça, de ce... Non, mais c'est génial, si la chenille devient papillon. Bravo, c'est notre auditrice. Il y a plein de gens qui s'intéressent. On vous demande ce que vous pensez de Banksy. Je ne sais pas, on ne connaît pas Banksy, c'est l'homme invisible. C'est pas vous. Oui.
Non, si justement, c'est Banksy Orlansky. Il y a un Xy là-dedans, mais c'est pas bon. Non, Banksy, j'en sais rien. Il a fait un mythe, il a créé une histoire, c'est malin. Très malin, très intelligent. C'est un tableau qui se détruit. Il est juste du génie. Il en a fait plein d'autres. Hein. Avant, il avait fait un moment, je crois que c'était au musée du Louvre, il était venu avec une toile et il avait réussi à l'accrocher. Il a fait plein. C'est vraiment un buzzman, quoi. Ouais. Vous allez participer aux Jeux Olympiques Paris. Vous allez faire quoi? Et je vais faire plusieurs choses. Marseille, Paris, dans plusieurs villes, effectivement, avec des interventions, l'arrivée de la femme olympique à Marseille, essayer de faire des choses avec des enfants. J'ai envie de faire des choses plus, on va dire, plus immersive que juste accrocher ou mettre des heures. Vous auriez aimé dessiner par exemple le porte-flamme, non? Oui, ça aurait été sympa. On m'a pas demandé. Il aurait été plus beau, peut-être. Peut-être. Oh, bah, allez-y. Oh, oui, non, je suis très en forme ce matin. Oui, je vois ça. C'est vrai que c'est des choses parfois qui sont un petit peu. C'est un peu banal, quoi. Un peu à l'ancienne. Ouais, c'est vrai qu'il faut se réinventer. On a du mal parfois à se réinventer. Mais il y a quand même des gens qui prennent. Moi, typiquement, j'ai refait les trophées de la Formule 1, les Grands Prix de Formule 1 de France, et ça a beaucoup plu. Et il y a eu un classement de tous les plus grands trophées. Et ils en arrivaient en tête des trophées. On en essaye un autre, Valérie. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font Alicia et Anthony Miedo, Antonio Medio? Antonio Medio. Je ne sais pas. Ah, Alicia, c'est dans la liste. Vous vous souvenez plus. Mais si vous croyez que je me rappelle de tous les. Vous ne vous souvenez pas de tous les noms. Bah non, les noms. Alors vous allez être enfermé dans un musée bientôt. Ah oui, alors ça c'est un super projet, aussi sur TV5 Monde, c'est un prime, on m'a confié la direction d'un prime, donc je suis assez content, et je vais donc faire venir des jeunes adultes, issus de catégories de milieux très différents, et je vais les emmener à la découverte d'un musée, donc c'est à Roubaix, avec qui vont voir donc plein d'artistes, et je vais essayer de recueillir leurs émotions, leurs sensations par rapport à des profanes qui n'ont jamais eu accès à l'art, et de voir un petit peu et de leur expliquer, de faire un parcours avec eux et de rentrer un petit peu et de leur donner envie et surtout de recueillir leurs émotions. C'est important. Enfin, je trouve pour moi l'échange est important. Vous trouvez que les jeunes n'ont pas d'éducation sur l'art, que ça mériterait d'avoir des enseignements Vous êtes une des rares émissions, il faut saluer TV5 pour ça. Il y avait Dardard qui a disparu sur France Télévisions, mais d'émissions sur l'art à proprement dit, il y en a beaucoup sur la BBC, sur les chaînes anglaises, il y en a beaucoup en Allemagne. En France, on n'a aucune émission sur l'art, à part celle-là. Il n'y a rien du tout. En plus, une émission ludique, qui est pas chiante. C'est important parce que j'en ai vu des émissions sur des peintres, mais au bout de 5 minutes, t'en peux plus, quoi. Donc là, vraiment, l'idée, c'était ma volonté, c'est de donner de plus en plus, de pouvoir donner envie. Ouais. Et les jeunes, pour répondre à votre question, il y a un travail qui a été fait par rapport à, on va dire, il y a une cinquantaine d'années. Mais c'est vrai qu'on est encore très, très loin de ce qu'on pourrait. Il n'y a pas de classe vraiment. Il n'y a pas d'accessibilité. Alors aujourd'hui, c'est les marques, en fait. C'est drôle parce que c'est les marques qui amènent, puisque les marques font beaucoup de collabs pour avoir de la crédibilité avec les artistes. La voiture Picasso. Oui, Picasso, c'est John Wan qui avait fait avec Air France. Dans la fashion, est-ce que c'est encore de l'art? Là, il nous reste 20 secondes, donc c'est difficile. Alors, c'est de l'art. C'est une vraie question. C'est pas forcément de l'art sur la collab, mais ça permet de connaître l'artiste et du coup d'aller découvrir son univers, parce que quand tu portes un sweatshirt qui a été fait par X, et ben, quelque part, tu vas regarder ce qu'il fait l'artiste et du coup, t'intéresse et tu collectionnes. Non, il y a un côté. Mais il n'y a pas un truc artificiel avec l'art contemporain. Il y a tout un débat là-dessus. Sur les côtés business. Il y a un côté business. Mais vous accepteriez de faire une boîte de cassoulet? Bien sûr. Il y a bien une soupe. C'est une crédible. Moi, apparemment que c'est crédible, c'est de qualité. Si le cassoulet est bon à l'intérieur, moi, j'avais grand plaisir. Quel rapport avec Orlinski? Je designerais la boîte. J'ai fait la vache qui rit. Je suis avec Monopoly. J'ai une proposition pour faire effectivement la vache qui rit. Mais l'idée, c'est de. Ah, génial. L'idée, c'est d'avoir des choses qui sont intéressantes pour les enfants, faire des jeux. Enfin, il faut apporter quelque chose. Il faut une valeur ajoutée. Moi, faire pour faire, ça m'intéresse pas. Mais dès qu'on apporte une valeur ajoutée et qu'on est qualitatif, c'est génial. Je trouve ça génial. Ça intéresse nos auditeurs, en tout cas. Laurence qui nous signalait ce qui se passe à Roubaix, elle nous dit que l'artiste s'appelle Sabrina Beretta. Et Stéphane nous dit: j'ai rencontré une personne handicapée très lourd lundi, qui est un artiste incroyable. Il y a aussi chez les personnes vous intéressez aussi évidemment à toute forme de création. Hein. Ah ben complètement, oui, c'est très ouvert et de toute façon l'art, c'est tout le monde peut être artiste. On est tous artistes en réalité, c'est dans la tête. Ouais. Si, surtout vous je pense. Ouais, non, pas vous êtes
être l'artiste la plus incroyable de la plus de incroyable, radio. Absolument. Donc, hein. C'est sur les murs, saison 3, TV5 Monde. Et puis, ben, oui, on l'a appris sur Amazon Prime, Orange et Apple TV. Et Apple TV. Donc, on vous retrouve avec cette nouvelle saison qui se passe à Paris. Et puis, dans le musée, au moment des fêtes. Absolument. Merci, Richard Orlinski, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans un instant pour les débats. À tout de suite.